Check it. Le fait d'être batteur, ça aide toujours, forcément, parce qu'on tient le time, on essaye aussi de faire tracer, de faire groover les morceaux. Mais j'essaye en fait de prendre le truc un peu à l'envers et de me dire que pour moi, ça, c'est la solution de facilité. Pouvoir faire boom stack et d'essayer de le faire tourner et de faire une rythmique, c'est cool. Mais si je me concentrais un peu plus sur l'harmonie, ou concentrais un peu plus sur les mélodies, ou sur juste une ambiance générale, pour essayer de pouvoir avoir une autre perspective en fait, par rapport au morceau. J'avais pas envie d'être catégorisé avec ce projet de « Ah oui, Jack Bowman, batteur ». Ça, c'était pas vraiment l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'était vraiment d'être Jack Bowman. Voilà qui je suis. Et en plus de faire chanteur, rappeur, producteur et tout ça, je fais de la batterie aussi. Et ça, c'était l'objectif. Et dans l'approche, pour moi, quand je suis en studio, c'est le plus important, c'est le son. Vu que j'ai mon propre studio et que j'aime bien, je suis un peu difficile à vivre avec moi-même en studio parce que je sais ce que je veux à chaque fois. Donc pour moi, c'est surtout une question de son. Donc même si ça fait juste boum, boum, il faut que le boum, il y ait un son bien particulier, bien précis de ce que j'ai dans ma tête. Et si je ne l'ai pas, on va recommencer 40 000 fois jusqu'à ce que j'ai le son qui me plaît. Donc je le prends un peu plus pour la blague, plus musicien que batteur. Je voulais essayer de faire un truc quand même vivant, même s'il y avait le côté un peu produit, même dans Champagne ou dans High ou certains sons qui sont déjà sortis. Si on écoute très 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 bien, on entend des fois des petites imperfections, des petits trucs, des petits bruits de coulisses ou des petits... Et je trouve c'est important parce que même si c'est de la musique assez produite, c'est un peu hip-hop, c'est un peu hip-hop, un peu pop. Je trouve que c'est important pour moi de garder le côté un peu naturel et de pas juste... sinon, on aurait juste dû faire avec des claviers MIDI et on serait tranquille. Et le concert, il serait beaucoup plus facile à produire. Mais c'est moins fun, quoi. Quasiment tout en autodidacte. J'ai pas mal de gens. J'ai aussi travaillé dans beaucoup de studios aussi en tant que musicien pour faire des prises. Et j'ai toujours eu un peu le regard sur comment ça se fait, genre pourquoi tu utilises ça, pourquoi tu mets le préampli avant tel truc et ça après ça, et comment ça fonctionne un compresseur, et toujours de poser des questions et d'essayer de... En studio, pour moi, les prises c'est important et le fait de jouer c'est cool, mais j'aime bien aussi savoir dans quoi je passe. Par exemple, c'est quoi les préamps, parce que c'est les 1073, est-ce que je passe dans tel truc, pourquoi est-ce que ma batterie sonne bien sur tel truc, et du coup, est-ce que c'est les préamps aussi qui jouent un peu, est-ce qu'il y a des réglages qui ont été faits que j'ai pas l'habitude d'entendre, ou pas. Et j'aime bien m'intéresser en fait aux deux, et j'ai toujours juste posé beaucoup de questions, et pas avoir peur de dire, en fait, ça veut dire quoi, ou j'ai pas compris, comment ça se passe, et de pouvoir juste essayer de m'imprégner et d'apprendre correctement, d'apprendre un peu à ma sauce pour dire « Ah ok, donc lui il fait ça, donc techniquement on devrait faire ça », et de me baser un peu là-dessus. Après, je suis parti un peu du principe que si ça sonne bien, ça sonne bien, et la théorie c'est une chose, mais la pratique et avoir deux oreilles qui fonctionnent à peu près convenablement, c'est bien. Et de toute façon, on a chacun de nos propres paires d'oreilles et chacun a sa façon d'entendre les choses. Et c'est ça justement que je trouve beau dans la musique, c'est que moi qui vais avoir tel goût sur tel truc, puis d'ailleurs des fois on a des débats dans le groupe avec ça, où c'est « Ouais, tu veux pas mettre plus de drive sur la guitare ?» ou « Tu veux pas faire tel truc sur le clavier ou... ?» Et moi j'entends un truc d'une certaine façon, et les gars, on va tous entendre le truc d'une autre façon, juste parce qu'on a notre culture, on a notre façon, nos oreilles en fait. Et on a tous perdu plus ou moins de fréquence aussi, ce qui peut peut-être jouer. Mais ouais, j'ai toujours juste posé des questions. Pas avoir peur de... Il y en a qui disent d'avoir un peu la honte de pas comprendre, mais en fait, on n'a jamais fini d'apprendre, donc poser une masse de questions, ça peut toujours servir.